Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer, sinon comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièces sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si je causais du tort à mon ami, si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, de ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires. Entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit, que les peuples s'assemblent autour de toi, et toi domine-le, des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture, qu'il me soit fait, selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis les justes. Toi qui es juste et qui sondes le cœur et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est juste et juge, qui chaque jour fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguille son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fossette. Il creuse en terre un trou profond. Mais dans la fosse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louais l'Éternel pour sa justice. Je célébrais par des chants le Dieu très haut. Notre matériel humain, comme le matériel animal ou le matériel végétal, est d'une richesse incomparable et d'une perfection admirable. En psychologie quantique, nous parlons de dimensions de manifester du vivant.